Elles ont un immense pouvoir. Elles ne nous demandent rien, sauf de les écouter. Aussi, que vous soyez introverti ou extraverti, que vous aimiez les hommes, les femmes ou Dieu ou tout ensemble, que vous soyez un cœur simple ou ayez les ambitions d'une Amazone, que vous ayez l'intention de vous hisser au sommet ou de vivre au jour le jour, que vous soyez exubérante, renfermée, royale ou humble, la femme sauvage vous appartient. Elle appartient à tous. Voici donc quelques histoires à prendre en guise de vitamine de l'âme.